Je suis toute petite, mais je suis forte. Je suis toute petite, mais j'engendre beaucoup. Je suis toute petite, mais vous avez besoin de moi. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais je vous aide à vivre. Vous oubliez peut-être que j'existe, mais j'existe. Et si je continue à vivre, vous allez continuer aussi. Mais il n'y a pas si longtemps, je cherchais désespérément de rester en vie, de continuer à vous protéger. Ma famille et moi, nous risquions de mourir et de quitter cette planète pour toujours. En réalité, certains de mes proches sont morts. Juste au moment où le reste d'entre nous étions sur le point d'abandonner tout espoir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un sauveur terrestre a remarqué notre détresse, nous a relevés et nous a fait recouvrer la santé. Alors que je pensais que vous nous aviez complètement oubliés, vous nous avez sauvés. Et en nous sauvant, vous vous êtes sauvés aussi. Le climat a changé. Et avec lui, la Terre, dont nous dépendons tous pour vivre. Des terres auparavant fertiles sont devenues arides à cause des sécheresses ou ont été emportées par des tempêtes inattendues, laissant les agriculteurs à court de semences, de nourriture et de moyens de subsistance. Sans semences, il n'y aurait pas de plantes, ni d'arbres, ni de fruits. Ni de légumes, ni de céréales. Heureusement, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture travaille avec les agriculteurs, les obtenteurs et les décideurs politiques du monde entier pour sauvegarder, partager et protéger les semences qui nous nourrissent tous. Le traité international offre un accès gratuit et facilité au matériel phytogénétique utile dans le monde entier, afin que les agriculteurs soient mieux équipés pour affronter des crises imprévues telles que les urgences météorologiques. Les agriculteurs, les communautés autochtones, les banques de semences et les banques de gènes jouent tous un rôle central pour assurer la diversité des cultures et la sécurité alimentaire pour nous tous et pour nos descendants. Merci d'être les gardiens de la diversité des cultures.